Et salut tout le monde, c'est Diablo et on se retrouve sur Fatout Ultimate Carnage. Et autant dire que là, ça va défoncer ça. Vous connaissez la suite. Donc, Fatout Ultimate Carnage, c'est développé par Bugbear Entertainment et édité par Empire Studio, je crois que c'est ça le nom de l'éditeur. Donc c'est sorti en 2008 si je dis pas de bêtises, en même temps que NFS Undercover, mais c'est largement, voire complètement l'opposé de NFS. Et avant de commencer, j'ai fait un petit tour dans les options, notamment audio, parce que en fait la vidéo, c'est la deuxième fois que je la tourne. Sur la première fois, les moteurs hurlaient tellement en plein jeu qu'on m'entendait pas. Donc on est parti, du coup vu que j'ai refait, forcément on va tout refaire. Attendez. Ça a pas pris en compte ma sauvegarde. Je suis en train de me. Je suis en train de voir qu'en fait ça a pas pris en compte ma sauvegarde. Ça a pas sauvegardé. C'est bien, c'est super. Oh, pourquoi le logo Xbox? Oui, blablabla, on s'en fout. Par contre, on n'a pas la souris. Ouais. Non. Mais en fait, ça c'est mort, ça n'existe plus. Vu que Genspy, ça a fermé. Ça aussi, ça a été viré. Donc maintenant, le multijoueur, je sais pas trop s'il marche. Live. On peut ca... Non, ça c'est... Je disais, on a carrément une option dans le jeu qui permet de faire du live. Et non, c'est le multijoueur. Est-ce qu'il y a du multijoueur? On va voir. Ah, voilà, c'est ce qui me semblait. Du coup, le multijoueur, je pense pas qu'il marche. Tant pis. On va se diriger sur le solo, sur la campagne. Donc, pour ceux qui connaissent à peu près le jeu, je pense que oui, hein, si vous avez cliqué sur la vidéo, sinon ben, vous allez découvrir avec moi. Moi je connais à peu près, hein, j'ai déjà joué à Ultimate Carnage sur 360, ça remonte, et à Flatout 2 que j'ai pas mal dosé sur PC, le 1 un peu moins, j'avais pas trouvé tip top par rapport au 2, hein, c'est notre époque, un autre style. Bref, quoi qu'il en soit, donc la carrière commence à se construit. Ben, au début, voilà, on a le choix entre trois véhicules. Hein. On n'a pas trop d'autres choses à faire. Donc, soit on prend la petite merde, la Chili. Donc, petit mais rapide. Et peu résistant. Soit ouais, les véhicules intermédiaires, on va dire. Hein. La malice. Soit le pick-up. Et moi, je vais prendre la malice parce que j'ai l'habitude de... À force d'avoir rejoué et re-rejoué à Flatout 2 dans la campagne, je me suis aperçu que au début, hein, vaut mieux prendre le véhicule équivalent, enfin en moyenne, tu vois, entre le petit véhicule de merde et le gros pick-up. Bref, vous m'avez compris, on est parti. Voilà, un petit message pour dire qu'on est bienvenu dans le garage. Bon, c'est typical jeu de voiture, hein, on a un garage, on a la concession, on peut acheter d'autres véhicules pour l'instant. Les autres sont pas débloqués. Voilà. Au fur et à mesure qu'on joue, on débloque. Et après, on peut les acheter. Il y a des crédits. Il y a aussi un atelier d'amélioration. Donc, dans ce jeu, il n'y a que des améliorations performance. Il n'y a pas de visuel. En même temps, vu la tronche des voitures à la fin de la course, vous verrez. Alors, vous avez bien vu dans l'intro. Hein, ça sert pas à grand chose qu'on les peigne, etc. Hein, qu'on fasse du tuning. C'est pas un Need for Speed. Bien au contraire, c'est pas trop l'esprit. Allez, on est parti. Allez, première coupe, première course. Donc par contre, par rapport à Flatout 2, là, dans Ultimate Carnage, il y a 12 joueurs. 12 bots, enfin 11, si on comptait moi. Et par rapport à 8. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Flatout, la série... La principale feature, hein, la principale, comment dire, la traduction en français,
l'atout principal du jeu, c'est la destruction des véhicules. Comme un burn-out, mais en moins speed, mais en moins arcade, même si bon, hein, ça reste de l'arcade, dans un autre registre. Bon, j'espère que vous m'entendrez assez bien au niveau du micro par rapport au son du jeu. Là, il y a quelqu'un qui vient de se faire éjecter, bien entendu. Donc au niveau des graphismes, c'est pas mal, hein, ça a plutôt bien vieilli. Hein, ça date de 2008, hein, comme j'ai dit, mais après je suis peut-être me campé, je suis pas sûr que ça soit de 2008, peut-être plus vieux ou peut-être plus récent. Enfin, je vérifie. Donc voilà, pour gagner la nitro, pas compliqué, il suffit de détruire du décor ou de foncer dans les autres. Le but étant de finir la course. Après, en petit bonus, si on peut détruire d'autres adversaires, ça mange pas de pain. Et au contraire, le jeu vous... on va pas dire qu'il vous force, mais il privilégie qu'on dégomme tout. Parce qu'après, à la fin des courses, on a des bonus, on a un classement, hein, forcément, c'est une coupe. Et on a aussi des bonus de crédit en fonction du si on est le meilleur joueur qui a fait le meilleur temps autour, ou qui a détruit le plus de choses, qui a j'ai l'air tué, mais défoncer le plus d'adversaires, etc. Après aussi, il y a des bonus en fonction de ce qu'on a fait. Enfin bon, on verra ça. Par contre, le 4x4, on commence à... Le flank, là. Bon, on va essayer de finir quand même premier, là. Directement, là, au début. La première game. Ça c'est plus simple, les véhicules sont assez lents, sont plutôt résistants, mis à part celle-ci là, Sofia Martinez. On retrouve les protagonistes du 2 avec 4 nouveaux qui sont Gilles, Richard, Curtis, Leigh et Lewis, le 12e. Aussi, une particularité du jeu, c'est que les IA, c'est différents protagonistes, hein, différentes personnes qui ont un petit background. On peut voir dans les menus de chargement de leur histoire. Et je sais pas, hein, peut-être je me trompe, mais je crois que leur IA est un petit peu personnalisée en fonction de l'adversaire. Par exemple, Frank Malcolm, là, avec le 4x4, là, c'est un peu un bourrin. Il va plutôt privilégier la castagne plutôt que le finir premier. Alors que là, ouais, c'est dans les 6 premiers. C'est assez rare. On peut le voir devant. Surtout en 4x4. Et par contre, Sofia Martinez, elle va privilégier plutôt la première position plutôt que la castagne, vu que c'est pas vraiment une voiture faite pour... Voilà, 3 tours, tranquille, pépéroné. Assez simple, mais bon, c'est le début. Donc après, voilà, on a un petit mode ralenti, hein. On peut... Voilà. Je vais le mettre tout le long de la course quand même, mais bon. Ça peut être sympa, ça peut faire des rendus vidéo assez coolos. Hein, pourquoi pas une petite compilation de... cascade ou quoi, si jamais j'en fais un let's play, hein. Pareil pour Undercover, hein, même chose, hein. Si ça plaît, je pars sur un let's play sur plusieurs vidéos. Donc quoi qu'un let's play, peut-être pas, hein. J'en ai encore 2-3 en cours de création, là, les FS, GTA et comme on est conquérant, si je me lance sur 4-5-6 let's play en même temps, ça va pas. Bon, pas vous laisser le replay tout le long de la vidéo. On enchaîne. Donc ouais, le meilleur tour, mais bon, c'est pas le plus rentable. La meilleure casseuse. Les bulldozers, maître artificier. Donc à mon avis, ouais, meilleur casseur, c'est destruction de l'environnement. Meilleur artificier, c'est le fait d'exploser. Hein, les bulldozers, ouais, ça doit être similaire.
Cathy Johnson, Jackson. Donc voilà, et après on a des bonus en fonction de ce qu'on a effectué, là, des slams, des renversants, etc. Et on gagne des coups crédits en plus. Enfin des coups crédits. Non, les crédits tout court. Je suis parti encore sur The Crew. Par contre, ouais. Parce que la première fois que j'ai fait la vidéo, il me semble pas que j'ai sauvegardé. Après, si il faut se connecter à machin là, Windows Live Game, pour pouvoir enregistrer la partie, ça va pas le faire. C'est à chaque fois que je dois recommencer depuis le début. Bon, au niveau des vues, il n'y a pas de vue intérieure, mais il y a quand même pas mal de vues. Hein. Deux vues capot, une côté conducteur. Après, via des modes, hein, on peut reculer la caméra pour être dans le cockpit. Pas grand chose, c'est modélisé à l'intérieur, hein. Pas les contours, il n'y a rien. Bon, lui il y a 4-4. Lui il faudra s'en méfier dans les derbies, les discussions de derby. Les arènes, c'est un petit peu le mec qu'à battre en premier, parce que il est vite fait d'être premier. Dès que je pourrais, j'achèterai un pick-up pour un 4-4 juste pour le derby, parce que là, avec le véhicule que j'ai, je pense pas tenir la première position. Là, je peux toujours l'améliorer avec les pièces, mais je pense pas que je vais être bien ici avec un 4-4. Vous pouvez voir un petit peu, les voitures sont un petit peu similaires à la réalité, hein. C'est, bon, c'est des voitures fictives, parce que je pense pas que Ferrari, Porsche ou Lamborghini assez près de voir la bagnole aussi défoncée dans un jeu. Pour tout Ferrari. Après, au niveau du comportement des véhicules, bah, ça va, c'est... on sent quand même la différence entre de la terre et de la route. Hein. La petite Camaro là, on va l'envoyer dans le décor si on peut. Ouais, par contre là, ça sera devant moi, ça sera pas le faire. Elle bouge là. Et elle a un bon dedans, forcément. Bon, ça va, au niveau des environnements, c'est assez... bon, c'est pas vraiment varié. Il y en a, je crois qu'il y a 4 ou 5, voire plus, ouais, 6-7 environnements différents. Et après, il y a différents tracés, hein, sur les environnements. Je crois qu'on a 2-3 différents par environnement. Donc au bout d'un moment, on retrouve un petit peu les mêmes courses en carrière. Et après, il y a différents modes de jeu. Hein. Il y a les courses classiques, il y a les sections de derby et il y a des... comme vous avez vu dans la vidéo d'introduction, des sortes de petits défis. Là, on va balancer le pilote dans des cibles, dans des gants de baseball, etc. Des mini-jeux, ouais. Petit mini-jeu sympathique en multijoueur, ça pour dire ça, je dois dire que ça, c'est un des jeux à faire en multijoueur en LAN. Il y a moyen de bien se fendre la gueule. Je crois que le jeu est pas mal modé aussi, il y a pas mal de joueurs qui ont modélisé de nouveaux véhicules, à délire. Enfin bon, voilà, c'est un jeu sur PC à avoir. J'ai eu pas grand chose avec ces soldes Steam de cet hiver. Pareil qu'Undercover, hein, de 3€, ça les vaut largement. Bon, voilà, deuxième course terminée sans trop de difficultés, hein. Au début c'est assez coolos pour meilleur tour, ouais, mais bon, voilà, je privilégie plutôt la première place plutôt que la destruction des adversaires et du décor. Donc 10-10. Lightning, j'ai essayé la rétrograder un peu parce que vu qu'elle est deuxième. Un nouvel environnement. Voilà, on débloque des courses, etc. On fait en course rapide.
ça qu'il faut faire la carrière. Donc on va enchaîner, pour l'instant on va pas trop améliorer le véhicule, on n'a pas trop d'argent. Super Smash Derby, Slam, Puissance, Boom, voilà c'est des bonus qu'on obtient quand on fait des contacts avec les adversaires et le décor. Start qui est déjà défoncé. Bon, on retrouve c'est un peu similaire à Flat Out 2, hein. Je vais pas vous cacher que Ultimate Carnage c'est un petit peu un Flat Out 2.5 qui était prédestiné à être sur les consoles, hein, sur les 360, les PS4, les PS3. Sur Flat Out 2 je crois qu'il était sorti sur PC et PS2, Xbox. Moi je dis des bêtises, hein. Il me semble que c'était ça, hein. Flat Out Ultimate Carnage était surtout destiné aux nouvelles consoles à l'époque. Bon, il va diverger. Merci Frank. Bon, Ray Carter, lui, la particularité d'être à chaque fois dernier. Allez, sur les toits, sans pression. En douceur, son 4x4 peut être tranquille, mais moi, un peu plus de mal. Normal. Ah, c'est planté la lay. La laying. Laying, je sais pas comment. Ouais, laying. La Texan. Bon, je suis 6ème, 2ème tour. C'est trop monté. Je crois qu'il y a de l'aspiration aussi dans le jeu, il me semble, hein, parce que quand je colle un adversaire, j'ai l'impression de remonter vers lui. Hop, dans le décor. Bon, Frankie là, il est plus en forme que lors de ma première vidéo. C'est ça qui va revenir. Bon, les poteaux électriques, ça ralentit plus que le reste du décor. Un petit peu normal. Ah, les deux. Ça, c'est à chaque fois, c'est les deux premiers. Jack Benton et Sofia Martinez. Je me souviens que sur Flat Out 2, chaque fois, je me fightais avec eux pour essayer de les retrograder aux dernières places. À chaque fois, ils remontaient. Donc au bout d'un moment, j'en ai un peu marre, je prenais un véhicule bien lourd, genre pick-up ou 4x4, et dès la première course, dès le premier virage, j'essayais de les fracasser le plus possible. C'est pas mal de l'eau dans le canal. Il y a plus de détails, il y a plus d'objets à détruire que par rapport à Flat Out 2, c'est pas normal ça. Évolution. Ah, par contre là le câble téléphonique en plein dans le ciel là, qui se tient par je ne sais quel miracle. Pas trop réaliste, hein. En même temps c'est pas vraiment un jeu réaliste, hein. Enfin c'est pas trop Simus, hein. Voilà. Par contre là tire en deux roues. Ouais, dans la bibliothèque, rien à carrer, n'est-ce pas Jimmy? Lol. Jim, plutôt, Jim Carrey. Blague de merde. Et voilà. Tranquillou. Sans pression. Merde. Chaque fois, j'appuie sur entrée. C'est le mode ralenti. Funk Malkorv. Bon, vu que, ouais, hein, c'est un jeu assez vieux. Du coup, les écrans de chargement ils passent à vitesse grand V. Et moi sur PC après. Sur console c'était pas la même chose. N'hésite à continuer la vidéo là, hein, vous présenter d'autres courses. Ouais je vais couper là, je vais faire une vidéo assez courte. Je vais en ferai peut-être une deuxième pour montrer un petit peu le derby
et les mini-jeux. Je vous dis à la prochaine, c'était Diablo. Ciao, ciao, ciao!